La mère répond pas à mes messages et je peux la comprendre. Il est parti? Ouais, mais il a promis qu'il reviendrait. C'est pas vrai. Ne cherche pas, c'est Mathieu. T'as aucune idée de ce que je peux faire pour récupérer ma famille. Vous allez me frapper? Comme Sophie et Kylian? Je fais ce que je veux. Votre beau-père a été repéré en train de rôder au Mistral. Non mais c'est bon, il est peut-être juste venu discuter. S'il te plaît, mon amour. Pardonne-moi. Le procureur enquête sur Elena. T'en as mis du temps. Je t'ai parlé de César Cordonnier. Je crois qu'il veut se barrer avec Elena Horn. T'en es où avec Barbara? Que sait-elle exactement? De quelles preuves dispose-t-elle? Je sais qu'ils veulent te piéger, ils veulent te tuer, Barbara. Ça c'est très drôle parce que Chris m'a dit exactement la même chose à ton sujet tout à l'heure. Je vais laisser s'en prendre à toi. Non, c'est ça! Qu'est-ce que vous lui avez fait? La question c'est qu'est-ce que vous comptiez lui faire? Donc pour toi c'est Chris qui a voulu me piéger? Ils ont dû s'enfuir en embarquant César Cordonnier avec eux. J'ai toujours su que t'étais un garçon brillant. Et donc en m'enfermant, il m'a sauvé la vie? Papa, faut absolument qu'on le retrouve. Demain en Sardaigne. On fait quoi de Cordonnier? Comme si on avait le choix. Il aime l'argent, on peut peut-être essayer d'acheter son silence. Et puis on le débarque. Ça pourrait être une option s'il n'était pas aussi amoureux. Il préfère peut-être l'argent. C'est un gars qui a aucun sens moral. Il a empêché Barbara de venir au rendez-vous. Il a pris sa place sur le bateau. Crois-moi, au point où il en est, l'argent, c'est le dernier de ses soucis. Tu crois qu'il peut nous balancer aux flics? Si c'est pas déjà fait. Je vois pas l'intérêt de le tuer si on garde Barbara derrière nous. Mais réfléchis! Elle cherche encore des preuves, notamment sur la mort de Paradou. Sinon, elle aurait jamais accepté ton invitation sur le voilier. Si César Cordonnier disparaît en mer, on peut limiter les dégâts. Je sais pas. Déjà, pour le meurtre du pêcheur, j'étais pas d'accord. On en a parlé mille fois. Si on avait écouté tes états d'âme, on n'aurait jamais pu finaliser notre montage financier. Alors au final, ça aura servi à rien. On est obligé de repartir à zéro. On va rebondir. On n'a pas de problème d'argent, on est tous les deux. Et il peut rien nous arriver. Mais il faut qu'on se débarrasse de César. On aura un kidnapping sur le dos. Ouais, t'as raison, comme d'habitude. Pardonne-moi. Sans vous, je suis rien, moi. Je dors plus, je bouffe plus. À chaque fois, tu dis ça. Mais avec Kylian, t'es allé trop loin. Je sais. Mais j'ai eu le temps de cogiter. Cette fois, j'ai compris ma connerie. Comment tu veux qu'on te refasse confiance? J'avais besoin d'un électrochoc, je l'ai eu quand vous êtes parti. Je veux pas vous perdre, ne fais pas ça. Et moi? On reparle de tout ce que tu m'as fait? Tu nous fais peur, Mathieu. Moi aussi, je me fais peur. C'est pour ça que j'ai commencé à regarder les psys à Toulon. Aussi. T'y as jamais cru. Je pensais que c'était pas pour moi, mais... Mais là, je veux redevenir comme avant, comme au début. Tu te souviens? Arrête. C'est loin, tout ça. Ouais, mais j'étais un mec bien à l'époque, non? Quand Romain est mort, je me suis occupé de vous.
De toute façon, je suis pas la seule à décider. Kylian est choqué, il fait encore des cauchemars. Jamais il te pardonnera. Sauf si tu m'aimes. S'il te plaît. Ouais. Je te dérange pas? Je viens prendre mon sac de sport. Non, tu me déranges pas. Tu vas dans combien de temps t'entraîner avec ton père? Dans 45 minutes, pourquoi? Bah, je t'accompagne. J'ai besoin de me bouger un peu. Non, c'est pas la peine. Tu sais, si je suis pas focus sur mon entraînement, mon père, il va me pourrir, tu connais, donc... Non, mais je reste pas. De toute façon, dans 2 heures, j'ai un cours d'écho en ligne. Ouais, mais même, tu sais, faut que je me mette dans le mood et tout. Genre, je mets ma musique tout seul, dans... Tu vois, c'est mieux. Voilà. Je te dérange, en fait, c'est ça? Désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Ouais. Mais pour moi, c'est comme si tu l'avais dit. Y a un malaise entre nous? Non, même pas, t'inquiète. Arrête. Depuis le resto, tu m'esquives et tu m'adresses même pas la parole. Tu veux pas en parler? Non, je veux pas en parler. Non. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, être en fauteuil, c'est déjà assez chaud comme ça. Donc je vais pas en plus en parler tout le temps. Au fait. Bonjour mon grand. Tu fais quoi là? Casse-toi de là, j'appelle les flics. Je te jure, je les appelle. S'il te plaît, écoute ce qu'il a à te dire au moins. Non, j'écouterai pas. Tu m'avais promis qu'on le reverrait plus. Putain, mais tu m'as piégé en fait. Mais non, Mathieu a réfléchi, il regrette. Tu crois qu'il regrette? Non mais t'es assez conne pour gober ses excuses. Il vous aime, ta sœur et toi, laisse-lui t'expliquer. Mais y'a rien à expliquer, ce mec il est taré. Mais t'as toujours pas capté? Il te frappe et toi tu deviens sa complice. C'est moi qui ai demandé à ta mère d'organiser cette rencontre. Je voulais te demander pardon. Essaye même pas de m'enfumer, ça marchera pas avec moi. Jamais j'aurais dû lever la main sur toi. J'étais en colère, j'ai dérapé, je sais pas ce qui m'a pris. Ce qui t'a pris? Tu sais faire que ça, me frapper, ok? Donc maintenant tu fermes ta gueule et tu te barres de là. Je vais aller voir un psy. On en a parlé avec ta mère. Ferme ta gueule, je t'ai dit, ferme bien ta gueule! C'était quoi? Un bruit de vaisselle, je crois. Il y a une voix d'homme aussi. Kylian, j'entends Kylian. C'est tout? Il y a sa mère aussi. Alors ta gueule, moi. Ah. Quoi? Tu crois que son beau-père est avec eux? Enfin, j'espère pas. Alors allons-y, ça peut partir en vrille. Non! Moi, si ça continue, hein, j'appelle la police. Tu m'as dit que ce mec est un fou furieux. Le temps que les flics arrivent, il va les défoncer. Tu n'y vas pas, c'est clair. Ça sert à rien de tout casser. Tu vas te calmer et on va se parler. J'ai pas envie de me calmer, j'ai envie de te buter! Attends! C'est Kylian, il se barre. Tout seul? Ouais, il était vénère. Chut. J'entends plus rien. C'est pas bon signe. Non mais... Kylian serait pas parti si sa mère était en danger, hein? On fait quoi? Je vais le chercher. Ah non. Ça sert à rien. Laisse-le digérer et il va revenir. J'ai merdé. Il était pas prêt, il va me détester. Mais non... Je me suis excusé. Ça va faire son chemin, tu verras. T'inquiète pas. Le coffre a été vidé, les ordinateurs emportés. Vous aviez raison, les hommes ont pris la fuite. Mais pourquoi maintenant? Vous avez une idée? Non. Non, j'en sais rien. Enfin, ils ont rien dit devant moi, en tout cas. Pourtant, quelque chose les a alertés. Vous êtes en train d'accuser ma fille, là? Le seul responsable de cette situation, c'est vous? Papa, calme-toi. Vous faites bosser les civils à votre place, et après, vous leur faites porter la responsabilité de vos échecs. S'il te plaît, pour l'instant, l'urgence, c'est de retrouver César. Ma fille a raison, il faut chercher ce putain de voilier. C'est ce qu'on est en train de faire, figurez-vous. Mais on n'arrive pas à le localiser, ils ont dû couper leur balise. Mais c'est pas possible, vous pouvez pas envoyer un hélicoptère? Ça va autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Sauf qu'il faut mettre tous les moyens, là, César est en danger. Il peut vouloir l'éliminer. Mais la semaine dernière, vous le soupçonniez d'être le complice d'Elena Horn. Écoutez, je me suis trompée.
Sinon, pourquoi il m'aurait enfermé pour aller au rendez-vous de Chris à ma place? On n'a pas la réponse à cette question. Non, vous comprenez pas, Chris m'a tendu un piège. Il voulait m'attirer sur son voilier pour me kidnapper. César a pris tous les risques pour me protéger. Mais ce que je comprends surtout, c'est qu'en l'état actuel des choses, on ne peut faire que des suppositions. Allez, allez, relâchez, relâchez! Et déroule, déroule! Déroule, déroule jusqu'au bout, là! Allez, allez, allez! C'est minable. T'es où, là? Pas avec moi, hein. Désolé. J'ai du mal à rester focus, là. Bon, c'est quoi le problème? T'es mis là, c'est ça? Ouais. Je suis en bad avec elle. Allez, crache le morceau. Vas-y, je te dis, tant que t'auras pas crevé l'abcès, tu pourras pas te concentrer. Ok. Vendredi dernier, j'ai amené manger au resto. Je lui ai sorti le grand jeu. Invitation romantique, resto chic. Je m'étais fait beau et tout. C'est bien ça. Les filles aiment ce genre d'attention. Mais sauf que ça virait au cauchemar. J'ai renversé du vin sur sa robe. J'ai embarqué la nappe avec mon fauteuil. Et j'avais l'impression d'être le pauvre handicapé maladroit. La honte. C'est ce qu'on appelle une contre-performance. Tu vas rebondir, Hans. Depuis ça, j'ai l'impression que ça va pas le faire, elle et moi. Tu vois, être avec un mec fauteuil, ça l'a fait flipper. Et du coup, moi, ça me met en stress. Alors, faut que tu oublies cette histoire-là et que tu passes à autre chose, au plus vite. Ça me fait trop de mal. Mais des fois... Des fois quoi? Je me dis que j'ai raison de m'accrocher. Elle est pas claire avec moi, du coup, je sais pas ce qu'elle pense. Bon, concrètement, c'est quoi ton objectif avec elle? Justement, je sais pas. Tu me conseilles quoi, toi? Bah, prendre une décision et t'y tenir. Ok, mais laquelle? Ah bah ça, c'est à toi de voir. Hein. Allez, c'est bon, je t'ai remis les idées en place. On peut y retourner. Carrément. Alors, go! Et tu me pètes le chrono, Mousse. Allez, oh! Bah alors, ça en est où le feuilleton Mousse, depuis le pire rencard du monde? Il fait toujours la gueule. Genre, c'est de ma faute, il s'est tapé la honte de sa vie devant tout le monde. Et je lui ai proposé de l'accompagner à son entraînement, il m'a basé. Mmh. En même temps, faut le comprendre, il est encore sous le choc. À chaque fois que j'essaie de discuter avec lui, il me tèche. C'est quoi son problème? Bah écoute, au moins comme ça, tu le sauras, hein, pour l'avenir. Hein. À chaque fois que vous allez avoir un problème, il va te balancer son handicap à la gueule, il va se fermer comme une huître. Ouais, donc je fais quoi? Je lâche l'affaire direct. Je sais pas, mais Mila, tu rentres en prépa cette année. C'est trop important. Enfin, je sais pas, t'es sûr que t'as le temps pour une relation, surtout si elle est compliquée. Bah, ça va, j'ai jamais dit que je faisais une croix sur les mecs, non. Oui, mais vous allez pas être dans le même rythme, tous les deux. Tu vas faire comment quand tu vas être à fond dans le boulot? Ça se gère, ça, on va parler. Mm-hmm. Pardon, hein, parler, ça a pas trop l'air d'être son truc. Je sais pas, c'est ton avenir que tu joues, là. C'est trop important. Gâche pas tout pour un mec qui va te prendre la tête. C'est vrai que les profs nous ont prévenus. Ils ont dit qu'on aurait pas de vie cette année. C'est pour ça, Mousse, garde-le comme pote, ce serait bien. Je sais pas si je peux faire ça. Pourquoi, t'as peur qu'il le prenne mal? Non. Je ressens toujours un truc pour lui. Oh, sérieux, t'en as pas vu assez? C'est à cause de toi qu'il est revenu. Ah bah, j'étais à l'hosto, je me sentais mal. Putain, il en a profité pour nous pister dans le quartier, ce bâtard. Tu te crois mieux? Il vient, il te demande pardon et toi, tu le bâches direct. Mais il m'a frappé, t'as capté ça? Oui, il aurait pas dû, mais il recommencera plus, il me l'a dit. Allô, il frappe maman? Arrête de dire de la merde. Putain, mais quand est-ce que t'atterris, en fait? Tiens, tu te rappelles quand on lui avait offert son cadeau d'anniversaire à maman, là, les places de concert pour son groupe préféré? Oui, et? Eh ben, elle a passé la soirée à chialer. Elle avait des bleus le matin en rentrant, partout sur l'épaule, sur le cou. Mais elle a dit qu'elle était tombée. Et les t-shirts, en été, à manches longues, et les pantalons, à ton avis, c'est pour cacher quoi? Putain, mais en fait, Mathieu, il revient pour nous endormir, comme d'hab, ok? Toi, t'es naïf, tu vas te laisser faire. Il va faire le beau avec maman, il va te faire des super cadeaux. Et dès qu'on se méfiera plus, eh ben, il reviendra comme avant. Yvonne? Vous avez pas vu mon magazine, là? ProGamer, il était à côté de couture, abdo, machin. Yvonne... Oh, pardon, désolé. Pardon. Mon petit Fernand. C'est pas du tout ce que vous croyez, mais alors vraiment pas du tout. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Monsieur Bouillot et vous-même êtes proches.
Seulement, j'aurais préféré que vous soyez proche, un peu plus loin de moi. Qu'est-ce que vous avez imaginé? J'avais tout simplement une rage de dents et André essayait de me soulager. Oui. Je croyais qu'il était quincaillier, pas dentiste. Mais je vais vous dire que quand j'étais dans l'armée, j'ai rencontré... Non, mais c'est bon. C'est bon, en fait, vous faites ce que vous voulez, hein. Ça me regarde pas. Juste la prochaine fois, pensez à fermer la clé. Enfin, mon petit Fernand, est-ce que vous pensez vraiment qu'à nos âges, on est encore porté sur la chose? Eh ben, je pensais pas. Mais visiblement, quand je serai en résidence senior, j'aurai peut-être une chance de pécho. Vous délirez, comme disent les jeunes. J'étais en train de vous expliquer que quand j'étais dans l'armée, j'avais un très bon ami qui faisait des études de dentiste. Et il m'a donné quelques notions et voilà tout. Donc j'ai demandé à André de regarder ma molaire. Bien sûr, ça vous a pas traversé l'esprit de contacter un vrai dentiste? D'abord, je ne suis pas très à l'aise avec le corps médical, et puis je ne connaissais pas de spécialiste dans le quartier. Et puis ça aurait été une perte de temps, la molaire d'Yvonne va très bien. Juste quelques pains de bouche et il n'y paraîtra plus. Vous voyez que tout ça est complètement innocent. Faut avoir vraiment l'esprit mal placé pour s'imaginer autre chose. Thomas, attends. On peut peut-être se parler, non? Ben, t'as dit ce que t'avais à me dire, non? Je pensais que ça apaiserait la situation. Que tu comprendrais au moins pourquoi j'aide Sophie. Pourquoi tu m'as mis à la porte de chez moi, tu veux dire? Non, tu as tort de voir les choses comme ça. C'est pourtant ça, l'histoire, non? T'as fait 2 enfants dans le dos de tout le monde et aujourd'hui, c'est moi qui paye l'addition. Je t'en demande beaucoup, je sais, mais mets-toi à ma place. À la place d'un père qui accepte que ses enfants soient élevés par un autre, non merci. Je t'ai expliqué. Sophie m'a pas laissé le choix. Elle voulait des enfants. Elle venait rencontrer son mari. Il est stérile. T'es fort. À t'entendre, on croirait que c'est toi qui leur as rendu service. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Ça a dû bien t'arranger au début. Seulement voilà, Lola et Kylian se retrouvent avec un beau paquet de merde en héritage. J'aurais dû faire quoi? Les reconnaître de force contre la vie de Sophie? Assumer, c'est tout. De toute façon, aujourd'hui, t'as plus le choix. Tu vas leur parler quand? On est bien d'accord que tu vas leur parler quand même. J'ai eu des messages, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dispute chez Sophie. Mais entre qui et qui? Entre Sophie, Kylian, puis son beau-père, je crois, mais enfin, c'est pas clair. Mathieu est là, à l'appart? Tu aurais dû me prévenir plus tôt. Non, mais ça s'était calmé. Attends, écoute, j'ai l'impression que ça repart. Il faudrait peut-être appeler la police, non? Non. Je préfère régler ça moi-même. Sophie m'a donné un double des clés. Non, mais t'es sûr, parce que si ce Mathieu est là, il est dangereux, hein? Mais ben, raison de plus, hein? Et on a perdu assez de temps. Salut. Salut. Tu fais quoi? Je vais m'installer dans la chambre de Nathan, finalement. Tu te barres?
après toutes les épreuves qu'on a traversées. Justement, je pense que c'est mieux. Ouais, attends. Depuis qu'Yvonne a pris ta chambre, on a tout vécu ensemble. Ses ronflements d'un autre monde, son Qigong là tout pourri. Tu vas pas m'abandonner maintenant. Justement, quand tu me parles d'épreuves, je pense plus à ce qui s'est passé vendredi dernier au resto. Et... Et toi et moi, ça va pas le faire, alors. Donc je vais aller m'installer ailleurs et comme ça, tu pourras bosser tranquille, voilà. T'es sûr? Ouais. Bah, je vais pas te retenir. Juste, tu peux éteindre la lumière en sortant, j'ai une migraine. Ok. Et je récupérerai le reste de mes affaires plus tard. Mousse. De la migraine et tout. Mais pas de migraine. Bon, bah, je crois que j'ai resté là finalement. Barbara, je sais pas si tu te souviens, mais je travaille avec César chez GTS. C'est des nouvelles? Non, j'ai été convoquée par le procureur dans le cadre de sa disparition aussi. Putain, mais c'est moi qui devrais être sur ce bateau à sa place. Il s'est sacrifié pour me protéger. Ouais, César, quand il est amoureux, il a pas trop de limites. On a pas mal parlé ces dernières semaines, et notamment de toi. Il va mourir, ce sera de ma faute? Non, là vraiment, ça sert à rien de culpabiliser. Il savait que t'étais en danger, il a voulu te protéger, et c'était sa décision à lui. C'est vrai qu'il a failli mourir pour toi? Ouais. Ouais, il a surtout fait plein de choses pour mon fils et moi. Et c'est ça que j'oublierai jamais. Putain, la dernière fois que je l'ai vu, je l'ai accusé d'avoir voulu me tuer. Il va mourir en pensant que je le déteste. Non, mais arrête, en fait, il va pas mourir, d'accord? C'est le meilleur baratineur que je connaisse. Je t'assure, il est malin, il est manipulateur. S'il y en a un qui peut sortir de cette situation, c'est lui. Barbara, on a localisé le bateau des Hornes. Comment vous avez fait? La balise de détresse a mis un signal. Pensez que vous pouviez vous enfuir? Non. En fait, je vous cherchais, je voulais vous parler, seul à seul. Ah ouais, de quoi? C'est vous qui avez tué le père de Manon Paradou? Non. Je suis sûr que c'est Elena. La conversation s'arrête là maintenant. Non, attendez. Regardez. Vous avez des remords alors que vous avez rien fait. Alors imaginez si vous me tuez. Vous nous avez pas laissé le choix. Mais bien sûr que vous l'avez le choix. Je vous ai entendu tout à l'heure. Vous avez raison. J'aime l'argent et j'ai aucune morale. Si vous m'épargnez, je garderai vos petits secrets pour moi. Ah ouais? Qu'est-ce qui me le prouve? Nos intérêts sont les mêmes. J'ai pas envie d'entacher la réputation de GTS. Ouais, vous êtes amoureux. Mais justement, laissez-moi gérer Barbara. Si jamais vous me tuez à sa place, elle aura qu'une envie, c'est de vous retrouver pour vous mettre derrière les barreaux. Alors que si je suis encore en vie... On n'en a pas peur de Barbara. Mais c'est la fille d'un flic! C'est pas grave, on sera loin déjà, on sera hors d'atteinte. Chris, c'est vraiment ce que vous voulez? Être un fugitif jusqu'à la fin de votre vie? Ça s'arrêtera pas là. Elle va continuer, vous aurez du sang sur les mains. À chaque fois, elle vous fera croire que vous avez pas le choix. Chris! César l'a plus dans sa cabine! Il est avec moi sur le pont!